Les Césars, c'est vendredi prochain sur Canal+. Vous allez regarder ou pas, Jean-Marie Bigard ? Non, parce que, encore une fois, comme je suis un mec, un électron libre, et que je fais donc partie de qu'une famille, sûrement pas de celle du cinéma, ça va me gaver de regarder les gens se branler entre eux. Tu vois, ils se décernaient des récompenses. Tiens, toi tu vas prendre ça, moi je vais prendre ça. Ils font une petite partouze, ils se filment, ah, et puis ils se régalent. Tu vois, et le pire de tout, c'est que le mec il dit, oh, il est ému aux larmes en disant, oh là là, merci, merci, merci à tout le métier. Donc c'est moi j'en ai rien à foutre, je n'ai pas. C'est une mascarade. Tu comprends, je n'ai pas de maître. Donc, si tu veux, la mais porte pour est tellement. Ça veut rien dire. La porte est tellement fermée, ouais. Si tu veux, pour moi, que. Est-ce que je vais aller regarder par-dessus la rambarde des gens qui se récompensent entre eux? Parce que, tu vois, quand je vois ces nuits de récompense où on zappe juste hein, le public, comment est-ce possible? Qu'est-ce que vous voulez dire par ça, on zappe le public? Bah, c'est-à-dire que parmi les gens qui sont nominés. À mon avis, d'ailleurs je pense qu'ils le font un petit peu pour la musique quand même, l'album qui s'est le plus vendu de l'année. Tu peux difficilement ne pas le mettre dans la liste, tu vois. Mais pour nous, non. Nous, par exemple, on était considérés comme des clowns piteux, tu vois, des mecs qui disent « bite poil couille », tu vois. Et moi, je leur dis « bah oui, mais j'ai fait 4 millions de spectateurs ». Tu vois, j'étais le premier à faire Bercy, le seul et l'unique à faire le Stade de France. Et j'ai donné du plaisir et du bonheur à des millions de personnes. Ce chiffre, il doit figurer quelque part, quand même. Tu vois, c'est pas possible que. Et là, d'une année sur l'autre, ils disaient, ah non, on prend pas les clowns cette année. C'était aux Victoires de la Musique, ça, hein, c'est ça? Non, c'était les Molières. C'était les Molières. Mmh. C'est-à-dire que j'ai jamais été, voilà, avec la carrière que j'ai de 33 ans, bientôt 34 ans, j'ai jamais été même nominé. J'aurais été le plus heureux du monde d'être simplement nominé. Non, j'ai été volontairement ignoré. C'est pas pareil. Donc qu'est-ce que tu veux que j'aille assister à ça?